Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche à l'heure où je vous filme cette vidéo avec un magnifique soleil sur Clermont-Ferrand. Je vous souhaite que vous passez tous un bon dimanche et je vous retrouve donc pour la publication de notre album que vous avez suivi en tuto toute la semaine avec la collection de chez Lemoncraft, Waiting for You. Alors je rappelle que ce tuto était réalisé en 15-15. Vous avez vu donc les montages des pages et la décoration des pages. Et le final, donc le montage de l'album. Et moi, je vous le montre aujourd'hui complètement terminé avec la décoration. Donc voilà. Alors, je rappelle pour celles qui n'auraient pas suivi le tuto, cet album est fait avec du papier au format 15-15. J'ai réalisé une couverture, moi, de 17 cm par 17 cm. Une tranche en Sky Vertex. Et donc, le dos de mon album. Alors, pour combler le manque en hauteur et en largeur, puisque ma couverture fait 17 cm, que le papier lui fait 15-2, j'ai maté avec du papier craft. Du papier blanc que j'ai utilisé également pour la réalisation de mes pages et donc mon papier de la collection. Alors, mon étiquette modèle unique a été tamponnée avec la Distress Oxide Vintage Photo. Pour rester dans les teintes de l'album, je n'ai pas voulu tamponner en noir comme je le fais d'habitude. Mon album est fermé par deux rubans en organza. Alors, c'est un ruban que j'ai laissé en fait volontairement, je l'ai plié. De façon à ne pas le couper au bout comme je le fais d'habitude, je l'ai laissé double, je trouvais que ça faisait sympathique. Donc il est plié et collé à l'intérieur de mon papier. Alors, ma couverture, toujours donc le papier craft, le papier blanc et le papier de la collection. Les die cuts de la collection que j'ai détouré et mis en 3D avec des mousses de différentes hauteurs. Le petit sheetboard bout de chou qui me vient également de la boutique de Ninon Horizon Créatif. Et on trouve des petites demi-perles qui elles me viennent de chez Action, mais elles ont moins 3 ou 4 ans peut-être. Voilà, on va passer à l'intérieur de cet album. Alors, dans la dernière réalisation, montage d'album, je vous ai expliqué que j'avais fait une erreur. Je ne sais pas pourquoi, quand je suis partie sur la construction de mon album, j'ai fait 5 pages. Donc, vous avez eu les 4 pages en tuto, les 4 pages qui sont dans cet album, qui étaient conçues pour faire 4 pages. Et comme la majorité de mes albums habituellement font 5 pages, je suis partie dans ma foulée, j'avais fait une 5e page. Donc, pour la 5e, j'avais entamé mon 2e bloc. Mais la 5e n'est pas dedans, donc un bloc suffit pour réaliser cet album, je le précise. Qui contient donc 4 pages, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas mal vu ou mal lu, c'est moi qui ai fait une erreur. J'avais parlé au cours de la réalisation de la page 4 alors qu'on était à la page 3, puisqu'effectivement j'ai fait cette erreur de 5 pages alors qu'il ne m'en fallait que 4. Donc, mais les 4 pages que vous avez vues en tuto sont bien celles qui sont dans cet album. Pour celles qui m'ont suivi. Voilà, donc en première page de couverture, nous avions une pochette sur laquelle moi j'ai mis un des die cuts de la collection, c'est la maman enceinte, puisque je me dis que pour un album bébé, avant l'arrivée de bébé, il y a bien la maman enceinte, donc je me suis dit qu'elle illustrerait bien l'entrée de mon album. On y retrouve les petites demi-perles dans les mêmes teintes, et donc une grande pochette. Alors celle-ci, je l'ai faite toujours pour des photos. Toutes les livrets de cet album contiennent des espaces photos 9-13. Donc, ils font 10 par 14 pour toujours avoir un petit matage. Et ce livret que j'ai mis sur la première page est également envoyé pour des photos au format 9-13. Seulement, j'ai utilisé une chute que je ne voulais pas acheter. Je me suis dit, pourquoi pas ne faire une plus grande carte et utiliser ma chute. Et à l'intérieur, là, par contre, j'ai utilisé une page exprès, malheureusement. Mais je voulais rappeler, je voulais avoir une des jolies cartes au moins à l'entrée. Et rappeler le papier de la collection. Alors, notre première page sur laquelle on trouve un die cut de la collection mis en 3D qui s'ouvre comme ceci. On y trouve une page en papier craft avec mes espaces dentelles. Alors, pour celles qui n'ont pas suivi le tuto, je rappelle que mes espaces dentelles permettent de mettre la photo sans la coller. On peut ainsi les changer au fur et à mesure si on veut changer les photos. Ça permet de les changer de place et on peut les mettre autant verticalement que horizontalement. On peut n'en mettre qu'une tout simplement dans le milieu comme ceci. Voilà. Après, celles qui n'ont pas l'espace dentelle, vous pouvez tout simplement mettre votre espace photo, laisser votre page uniquement comme ça ou mettre des petits angles. Il suffit que vous coupiez un carré avec votre Big Shot ou... votre massicot ou votre guillotine et vous le coupez en deux pour avoir deux petits triangles. Et vous mettez deux petits triangles de papier dans le coin pour celles qui n'ont pas d'espace dentelle. On retrouve également une pochette ici avec un livret double. Alors, je n'ai pas maté mes livrets. Je crois que je le dis dans le dernier tuto, mais j'ai un doute, donc je vous le précise là. Volontairement, je ne voulais pas utiliser de papier supplémentaire pour le matage
de mes devants de livret. Donc j'ai maté les devants avec du craft et je laisse l'intérieur blanc parce que pour personnellement, j'aime sur un album bébé avoir un matage blanc. Donc je ne voulais pas avoir que du craft. Voilà, donc tous mes livrets sont matés de la même façon. Craft à l'extérieur et laissé blanc à l'intérieur. Alors cette page s'ouvre également comme ceci. On retrouve toujours nos espaces photos. Tous les petits die-cuts qui ont été collés sur les espaces photos ne sont pas collés entièrement de façon à pouvoir laisser venir glisser la photo derrière. Que ce soit horizontalement comme verticalement, la photo passe avec le die-cut. Je vais y arriver. Voilà. Nous avons également un espace photo qui s'ouvre comme ceci. Et toujours sur mes pages, les pages où il y a le papier, je n'ai pas collé de papier craft volontairement, de façon à ce que la personne puisse mettre sa photo soit à l'horizontale, soit à la verticale. Voilà. Alors, le dos de cette page, on retrouve toujours nos petits die-cuts mis en 3D. Je vais y bien rester dans le champ de ce que je vous montre quand même. Cette page s'ouvre également comme ceci. Toujours nos espaces photos et toujours les die-cuts qui ne sont pas collés entièrement. Donc, tous sont faits comme ça, sauf ceux qui sont en extérieur en 3D, bien évidemment. On a également notre petite cascade verticale et décalée, avec toujours nos espaces photos au format 9-13. Et pour la page suivante, on a une petite bande passante, toujours décorée avec un die-cut de la collection en 3D. Notre livret double pour le collage des photos. Et cette page s'ouvre également comme ceci. Avec un espace photo également là. Et toujours une pochette avec notre livret double à l'intérieur. Le challenge que j'avais sur cet album, c'était de ne l'utiliser qu'un seul bloc. Je pense toujours aux petits budgets qui ne peuvent pas acheter plusieurs blocs de papier. Ça permet de faire des albums avec des jolis papiers de collection qui sont... Soyons honnêtes, Action nous fait des jolis papiers, mais ça n'a rien à voir. Donc pour celles qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des grands blocs 30-30 ou en 20-20, les blocs 15-15 n'étant pas chers, ça permet de faire quand même un joli album avec du très joli papier. Et en faisant des pochettes dans tous mes blocs de pages, vous trouverez au moins une pochette. Ça permet de mettre un maximum de photos dans un petit format. Et si ma mémoire est bonne, on va les compter à la fin, mais je crois qu'on peut rentrer 70 photos dans ce petit album, je rappelle, avec un seul bloc au format 15-15. Donc, pour moi, j'ai réussi mon challenge. Là, sur cette page, on retrouve une pochette avec un livret double. On a également un rabat photo. Alors, toujours mes petites décorations en 3D. Et là, on a trois espaces photos. Ma page s'ouvre également comme ceci. On a toujours une page craft avec les petits angles dentelles. Et une page décorée avec le papier, avec une bande passante. Alors, pareil, c'est un die-cut qui est dans la collection que j'ai utilisé, que j'ai mis en 3D, maté avec du papier craft, pas mis en 3D, et toujours notre livret double à l'intérieur. Page suivante, on a notre cascade. Toujours au format 11-14. 10-14, pardon, pour les photos format 9-13. Voilà, là, on avait utilisé la perforatrice de bordure. On a toujours notre espace dentelle et le die-cut mis en 3D. On a un espace photo, un second et toujours un espace photo sur le milieu de notre bloc. Sur le dos, nous avons toujours une petite pochette avec les die-cuts mis en 3D. C'est vrai que ça prend du temps de découper les die-cuts, mais je trouve qu'après, on a quand même un joli résultat, donc ça en vaut la peine. Toujours un petit livret, double, magnifique papier. Hein. Alors, je le rappelle, dans la décoration des pages de décoration, j'ai expliqué que j'utilisais toutes les pages de la collection, et sur les extérieurs, j'utilise le recto et le verso des papiers, de façon à ne pas mettre tout le temps le même papier, puisqu'on avait 5 pages, je crois, de papier décoré dans ces blocs. Les autres sont plus des papiers de fond. Et les dos, les rectos sont des papiers de fond, logiquement. Et au dos de celui-ci, c'était des petites fleurs. Donc comme ça, j'utilise et le côté recto et le côté verso de mes papiers. Sur ce rabat, on a, peut-être remettre ma pochette. Voilà. On a également une bande passante
dans laquelle on trouve toujours notre livret double. Je fais attention de ne pas être hors champ. Et on retrouve également une pochette, alors toujours un die-cut de la collection. Alors là, je ne l'ai pas mis en 3D volontairement, de façon à ne pas gêner avec la fermeture de l'aimant. Et on retrouve toujours un livret double à l'intérieur de cette pochette. Je l'ai ouverte, c'est bon. Passe suivante. On retrouve le die-cut de la collection que j'ai maté toujours avec le papier craft, qui est aimanté pour fermer notre bloc. Là, on a toujours notre espace photo. Également, on peut. Moi, je n'ai pas mis l'espace photo là, mais rien n'empêche de mettre une photo. Ça n'empêchera pas la fermeture de l'album, seulement on verra la photo dépassée. Donc moi, je n'en ai pas mis ici, c'est volontairement. Par contre, à l'intérieur, effectivement, on a notre espace photo. On retrouve également une pochette et toujours une carte double. Page suivante, on retrouve le même dos que la page 2, c'est-à-dire une grande pochette avec toujours un livret double à l'intérieur. Notre rabat, on a toujours les petites décorations mises en 3D et nos trois rabats photos comme ceci. Et notre page de couverture, la dernière, toujours la pochette comme sur la première, avec les petits die-cuts mis en 3D, et toujours une grande carte. Alors, j'ai utilisé les chutes, alors le berceau est coupé, mais je ne voulais pas jeter ce papier, donc je l'ai utilisé pour faire mon livret photo. Et à l'intérieur, pareil, les deux chutes qui me restaient, je les ai utilisées là, les trois d'ailleurs. Et toujours pour des photos au format 9-13. Eh bien voilà, je vais vous laisser sur cette publication. Je vais vous dire à très bientôt avec une nouvelle création. J'espère que ce petit album vous aura plu, que pour celles qui l'ont scrappé ou qui vont le scrapper, vous prendrez autant de plaisir que moi à le réaliser. Moi, je me suis vraiment amusée. J'ai trouvé que ces papiers étaient magnifiques. J'allais le fermer, je n'ai pas compté les photos. J'ai trouvé ce papier magnifique pour un album bébé. Il est vraiment très doux. Et comme je l'expliquais dans mes premiers tutos, je l'ai maté uniquement avec du papier craft, de façon à ce qu'il ne soit ni fille ni garçon. Si j'avais maté avec du papier rose, on ne va pas mettre des photos d'un petit bébé, un petit garçon avec du rose quand même. Et d'autres couleurs, non. Donc le papier craft, moi je trouvais vraiment qu'il allait bien avec cette collection. Et il fait ainsi unisex, fille comme garçon. Il va très bien convenir. Je rappelle, je ne sais pas à qui va être dédié cet album, puisque de mon côté, j'ai 13 petits-enfants, mais ils ont déjà eu leurs albums de naissance. Les deux dernières ont 14, 12 et 15 mois, mais elles ont déjà leurs albums. Donc, je ne sais pas à qui sera utilisé. Donc, il est neutre avec du craft. Donc, voilà, on va compter nos espaces photos. 1, 2, 3. Je ne compte pas le dos. Alors, 4, 2 dans le livret, 3 dans le livret, ça fait 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 et 3, 21, mais c'est ça, 3, 19, 21, 22, pardon, 23, 24, 25 et 3, 28, et 3, 31, 32, 33, 34, 35 et 3, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50. Alors, 53, 57, 60, 61, 62, 65, 68, 69, 70, 71. 71, on était. 72, 73, 74, 75 photos. Alors j'espère que je ne me suis pas trompée. Si j'ai bien compté, on est à 75 photos pour ce petit bloc avec un seul bloc. Ce petit album, pardon, avec un seul bloc au format 15-15. Eh bien écoutez, cette fois, je vous souhaite à toutes un bon dimanche. Je vous dis à très vite pour d'autres tutos sur ma chaîne. Merci, passez une bonne journée et bonne semaine, bon courage pour celles qui travaillent. À bientôt. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé cette petite vidéo, à mettre un pouce et à me laisser un petit commentaire. Je prends toujours le temps de répondre à tous vos commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.